Jour J est arrivé. Bonjour, 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 bonjour. On est là. Enfin, je suis là. Oui, c'est février 16 day. Je dis du le coup. Days. Je remets le carrefour à l'instant avec un petit problème sur la route. Et puis, c'est son problème à la ville. Il est là. Le jour d'arrivée. Oui, et je pense que c'est pas le seul qui va acheter. Petit unboxing, ouais. Little unboxing, c'est un unboxing. Puis un petit unboxing petit, pourquoi? Parce que c'est. Mais c'est normal, hein. Mais c'est un carrefour payé 60 euros environ. Au moment où il est plus derrière, sérieux, mais bon. Ouais, c'est beau, mais bon. Tu sais, du coup, c'est acheté après, hein. Mais là, financièrement, c'est pas géré le temps. J'avais dit, avec toutes les dépenses, pas forcément respect, non, même pas. Hein. Tous les frais de douane, tous les caméras cassées, tout ça, qui ont fait que. Que maintenant j'ai moins de sous, parce que non, tout ça c'est un coup, et moi ça n'est pas prévu, mais bon, voilà. Vous voyez, on va ouvrir ce petit jeu, et je jouerai tout à l'heure. Voilà, la voiture elle va être nickel. Voici la voiture, sans casser, parce que ça trop casser l'esthétique, sans trop le casser. Moi j'ai pas attendu que le jeu tout le monde le filme, c'est bon. J'ai fait, hein, par en dessous. Voilà. Il va être très rapide, hein. C'est juste pour le principe, hein. Mais, parce que tout, et après j'ai fait une vidéo devant la semaine, j'ai le temps tout le passing de tous mes jeux PS5 à l'heure actuelle, parce que j'ai déjà au moins 10 jeux PS5, enfin, 10 jeux en boîte, tu vois. Je compare les versions en démarre, mais bon, bah, si, parce que c'est plus ou moins gratuit. Voilà. Alors, sur DR, c'est ce giga. Le bourré il était en train de courir dedans. Voilà. Ouais. Le bourré est en train de courir dedans. C'est un code enregistré. Nice. Ouais. Attends, t'as vu. Le bourré, bien sûr, ouais. Donc ça. Il y a quelques pubs. Voilà, un peu classique. Voilà. Des publicités, voilà. Le code de un autre, bon, c'est mieux que rien, mais bon, force à Ken. Maintenant, t'as plus de pubs. Excusez-moi, hein, tout le livret, c'est ça, t'as plus. C'est ça, hein. C'est dommage, c'est ça qui est bon, excusez-moi, t'as plus de pubs CD qu'avoir la place de des notices. Voilà. Le livret, le cover réversible, bien sûr. Comme ça, comme la version BDS, qui c'est là comme ça. Voilà. Je kiffe sa race, voilà, il va déchirer. Il va déchirer. Je pense même qu'il c'est comme, ouais, c'est comme Bellring, hein, c'est ce type d'RPG, puis d'aventure. Une fois que le jeu sort, après, plus qu'un RPG, plus un groupe, on aura le même style. C'est un peu comme. C'est ça pour moi, c'est ça pour un grand. Bellring, il a fait environ un an, en février 2022, voilà, ben, FF16 a marqué sa tête de pierre. Donc, et vraiment, il va déchirer. Je dis ça. Je me dis que ça, voilà, petit booking rapide, il y a rien de plus. Hein. Peut-être si financièrement j'ai retrouvé le plus que le temps, au moins un petit bout que les versions d'ici quelques semaines, on verra. On verra, mais c'est pas sûr pour l'instant. Voilà, j'ai fait le jeu, j'avais pas mal de gens, hein, avant tout. Voilà. Allez, à la santé. Merci, merci FF16, merci à tout le monde, merci à Eric, merci à Nokia. En plus, pour information, le t-shirt qui est là, t-shirt du film 14 que j'ai eu, et j'ai vu une Nokia en 2014 au Japon au TGS. C'était il y a environ 10 ans, parce que 8 ans, c'est environ 2014, j'étais TGS. Voilà, donc je l'ai vu à l'époque là. Et FF14, voilà, merci. Voilà, FF16, je valide. Allez, assez le point de cotisation de cette année, peut-être. Bon, même, c'est bon. Allez, au revoir, et tout. Allez, merci, et à la prochaine. Ciao, merci, bientôt. Ne partez pas, laissez un petit pouce, merci. Au revoir, bientôt. Ciao, merci. Yeah! Existelle, installation, on est pas sûr. C'est parti. Pas autant, je suis facilement.